toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la chose suivante. Le titre est simple. La démocratie a vécu, mais n'a pas survécu. Alors, on dit Macron est un otage de la gauche. Mais c'est faux, parce que lui-même est de gauche. Tous ses discours depuis son arrivée au pouvoir sont librement accessibles sur le site de l'Élysée, elysee.fr, démontrant que tous ses discours sont bel et bien socialistes, donc à gauche. Alors les médias vous font croire qu'il sera à droite, et c'est à droite pour capter les mous du centre et du LR et tous ceux qui veulent aller à la soupe, qui n'est pas populaire mais bien très nourrissante. Cette imposture médiatique peut durer puisqu'en face l'opposition est quasi inexistante. D'ailleurs, c'est pourquoi la dite opposition ne peut pas gagner les prochaines élections. C'est simple, c'est basique. Le drame actuel de certains est qu'ils sont tellement dans le déni, dans leur idéologie merdique et dangereuse, qu'ils ne parviennent plus à voir, encore moins à entendre. Dès 1980, j'ai écrit « Un jour la nuit », et alors on me traitait évidemment de facho, de réac et tous les autres noms d'oiseaux, ce qui, je l'avoue, ne m'a même pas contrarié, puisque finalement, malheureusement, j'avais raison. Alors, après le 7 octobre 2023, je pouvais imaginer, penser que tous ces bobos gogo allaient se réveiller. Eh ben non, je me suis trompé. On continue. C'est toujours pareil. Le verre est dans le fruit et le fruit a pourri. La démocratie a vécu, mais n'a pas survécu. À force de vouloir nous faire prendre des vessies pour des lanternes, le citoyen est devenu aveugle et sourd. Il faut dire que la propagande médiatico-politique est forte, permanente et comme un traitement médical journalier. Alors le peuple est éteint, il est fatigué, indifférent, laxiste, et il se contente de rester devant son poste de télévision pour regarder, gober la désinformation. Il ne s'agit pas d'un risque de guerre civile, comme je l'écris toujours, mais d'une guerre de conquête religieuse contre l'Occident, vol et couillon. J'ajouterai que pour qu'il y ait affrontement, il faut deux camps. Et là, je n'en vois toujours qu'un seul, le camp religieux en mode djihad. Mon conseil est simple, je peux donner un conseil, il est simple. Pour ceux qui peuvent se barrer de cette Europe prête à rejouer 1938 et les années suivantes, il faut le faire. Et pour les autres, je vais être pessimiste parce que franchement, il leur reste pas beaucoup d'espoir. Alors, j'avoue que les gens sont décevants quand même, parce qu'après ce qui s'est passé le 7 octobre, on pourrait se dire, peut-être qu'ils vont se réveiller, peut-être qu'ils vont comprendre ce qui se passe, ce qui leur arrive, ce qui va leur arriver. Pas du tout. L'idéologie est tellement ancrée dans les cerveaux, quoi qu'il arrive, que on a vu ressurgir un antisémitisme énorme, comme on n'en avait pas vu justement depuis les années 30, et on a vu aussi que sur les réseaux sociaux, et même sur certains médias nationaux, l'antisémitisme est exacerbé et complètement délirant. Je comprends bien que ces antisémites-là, qui n'aiment pas les juifs, soient remontés complètement, mais de là à raconter n'importe quoi, n'importe comment, il y a une grosse marge. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le gouvernement qui fait que du blabla et qui raconte qu'il va empêcher tout cela, finalement laisse tout dire et tout faire. Et il y a quelque chose de louche là-dessous, c'est-à-dire que ça sert les intérêts de Macron et c'est tout. Il faut le comprendre. D'ailleurs, on a vu que Macron, c'est une girouette. Il a vite tourné casaque, comme on dit. Il reste, et quoi qu'il arrive, socialiste. Et les socialistes, par définition, sont très antisémites. Car le précurseur de l'antisémitisme en France n'est pas quelqu'un de droite ou d'extrême droite. C'est un socialiste, c'est Proudhon. Et en plus, Proudhon c'est les années 1840, et en plus, le gouvernement Laval de Pétain était socialiste, la majorité absolue socialiste. Donc on est dans un déni total de l'histoire quand ça arrange la gauche. C'est quand même un gouvernement socialiste, donc, qui a pris les plus grandes mesures anti-juifs à ce jour en France, si l'on accepte, effectivement, le roi Philippe le Bel. Mais les faits ne comptent pas. Nous sommes dans un monde irréel où seule la propagande a droit de citer, c'est le cas de le dire.
Les derniers événements qui se sont produits en France vont tous dans ce sens. La barbarie est de plus en plus forte et se répand à grande vitesse partout, même dans des villages. On voit ce qui se passe maintenant à chaque fête, chaque chose. Bientôt, les gens ne sortiront plus parce qu'ils auront peur. Ils ont déjà peur. De toute façon, ça ne changera rien. Et qu'on le veuille ou non, tout ce qui se passe provient d'une seule religion et on la connaît et elle n'est pas d'amour. Parce qu'il faut arrêter les conneries là, avec le vivre ensemble, la religion d'amour, l'ascenseur social est en panne. Tout ça, ce sont des conneries, c'est de la propagande. Il faut sortir les mots de la tête. Là. Il faut changer de ce système à la con qui consiste à nous faire croire tout cela alors que ça n'existe pas et que c'est le contraire qui se produit. Parce que les faits, il faut rester sur les faits. Hein. On n'enquête pas sur du délire, on enquête sur des faits. Et c'est toujours pareil, ce sont les mêmes agresseurs barbares qui ont la même impunité, sans oublier les médias qui désinforment à tout va. J'entends des choses parfois qu'on me rapporte parce que je ne regarde plus la télé personnellement. Et je dirais pour conclure, la France aux Français, qui était un slogan soi-disant raciste, etc., est devenu un slogan dépassé, sinon fini, puisque maintenant c'est la France aux étrangers, le nouveau slogan, la nouvelle, disons, mode. C'est une mode avec le wokisme et tout ça. Et je dirais, on est vraiment mal, de plus en plus mal. La France, sous France, est en marche. Et franchement, qui pourra l'arrêter ?